Aujourd'hui, c'est ma première journée d'école dans l'école des sirènes. J'ai trop, trop hâte. Je vais pouvoir découvrir le secret des sirènes dans cette école. Alors déjà, je vais me brosser les dents. Ce serait déjà une bonne chose. Je me brosse les dents avec des algues. Hein. C'est comme ça qu'on fait chez les sirènes. Hein. Et ensuite, je vais prendre mon goûter et direction l'école. Avant, je vais quand même aller voir si Talcado est réveillé vu que je dois y aller avec lui. Talcado ? Mais c'est pas vrai qu'il dort encore. Talcado, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Talcado, on a école aujourd'hui. On a quoi? On a école, c'est le premier jour d'école des sirènes, Talcado. Ah, école, c'est quoi ça, l'école? Mais non, mais Talcado, qu'est-ce que tu... T'as perdu la mémoire ou quoi? Ah, l'école, attends, je suis pas bien. Allez, Talcado, faut qu'on y aille. Je compte sur toi, je veux pas être en retard pour le premier jour. J'ai même pas pris de petit déjeuner, j'ai rien pris du tout. Dépêche-toi, prends-en un, dépêche-toi, allez, équipe-toi, voilà. Fais ta vie. Bon, je t'attends dehors, hein. C'est bon, j'arrive. Tu vois, quand t'es prêt. Par contre, tu veux pas te laver les dents contre l'algue, là, parce que là, tu sens un peu, là, quand même. Ah, c'est vrai que j'ai une haleine de phoque, attends. Ah ouais, c'est bon, je me suis branché. Ok, super. Allez, viens vite, on y va. En plus, il y a Awaris qui nous attend, je crois. Ouais, Awaris, il est à l'école. Il est là, regarde. Hé, Awaris. Salut les amis, comment allez? Ça va et toi? Ça va, ça fait vraiment une heure que je vous attends, vous étiez où? Mais c'est pas de ma faute, c'est Talcado, il était toujours en train de dormir. Il est encore en train de dormir, réveille-toi. Je vais m'endormir, moi. Non, te rendors pas, Talcado, faut qu'on y aille. Bon, dans ce cas-là, je me rendors aussi. Hein. Arrêtez de vous endormir. Non, mais comment je vais faire? Il va falloir que je réveille. Je vais être en retard à cause de... J'y crois pas. Talcado, réveille-toi. Awaris, réveille-toi. Ok. Allez, on y va. On va être en retard. Ça suffit. D'accord. Hein. Moi, je vais poser mon goûter. Je vais le poser là. Hop là. Bon. Ça doit être notre classe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, les enfants. Je peux me mettre à côté de toi, Talcado? Non. Hop, non, pardon, laissez passer. Non, c'est moi qui mets à côté de Talcado. C'est pas cool. Awaris, t'es pas chaud plutôt au premier rang parce que c'est le premier jour de cours. Autant qu'on suit bien les cours, non? Vas-y, viens. Moi, je vais me mettre à côté de Jessie. Salut, toi. Salut. Bien, les enfants, s'il vous plaît, un peu de silence. Étant donné que c'est votre premier jour à l'école des sirènes, il faut vous présenter un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour votre premier jour, en fait, on va vous apprendre les bases pour vivre en tant que sirène sous l'eau. Alors, vu que c'est un petit peu compliqué, on va d'abord apprendre des cours de respiration, des cours de natation, pour que vous puissiez prendre en main votre milieu. D'accord, les enfants? D'accord. Oui, capitaine. Salut, Jessie. Salut, t'es qui, toi? Moi, je suis Anna. Anna? Narnia? Ouais. Non, Anna, c'est mon premier jour ici. Ah, moi, je m'appelle Jessie, waouh, c'est trop stylé comme nom. Et ça? Oh, t'as l'air différent. Ouais, j'ai une queue de requin parce que mon papa c'est un requin et ma maman c'est une sirène. Waouh, je pensais pas que c'était possible, c'est super stylé. Ouais, je sais, ouais. Waouh. Les enfants, derrière, ça vous embête pas de parler pendant que je présente l'école, hein? Vous avez entendu la devise de l'école? Nous sommes navrés, monsieur, on recommencera plus. Très bien, alors pour rappel, la devise de l'école c'est « Sans bubule, la vie, c'est trop nul ». Alors répétez après moi. Sans bubule, la vie, c'est trop nul. Voilà, parce que disons sans bubule, et bah sinon sans bubule, et bah vous mourrez. Donc c'est sans mieux. Sans bubule? Mais moi, si vous voulez, je vous fais des bulles, monsieur. Hein, regardez. Vas-y, pète. Là, il y a plein de bulles, hein, c'est un jacuzzi. Hein. Super, Awaris, merci de nous montrer tes talents aujourd'hui. Bref, nous allons aussi, je vais vous donner votre arme de sirène, parce que si jamais vous devez vous défendre, c'est impératif. Sans ça, vous allez vous faire manger par toutes les bestioles de la mer. Elles sont toutes en train de voler. Tiens, t'as le cadeau. Hop là, merci. Hop là, c'est bon. Trop stylé, ce marteau. Trop stylé. Je vous laisse regarder un petit peu comment ça fonctionne. Attention, les enfants, c'est dangereux. Aïe. Qui a lancé? C'est Narnia. C'est Anna. Je l'ai vu, c'est Narnia. Mais c'est pas moi, vous dites n'importe quoi, j'ai même pas lancé. Alors en plus de parler en cours, vous lancez vos lances sur vos camarades, et ben vous savez quoi, vous allez faire un petit tour dehors, hein, vous allez voir de... Mais je vous assure, c'est pas moi. Allez, dehors. Non mais je veux pas savoir, vous allez voir si l'eau est fraîche dehors. Allez hop, zoom. Mon nom. Oh
non, dès mon premier jour de classe, je suis déjà mise à la porte. Oh non, mais en plus, c'est même pas moi qui ai fait ça. Vous savez quoi, je vais essayer de suivre le cours par là. Est-ce que je les entends? Bon, du coup, vous êtes sûr que monsieur le professeur, que c'était Anna qui a fait ça? Ça m'étonnerait que ça soit elle quand même. Hein. Si, si, t'inquiète, ah. je l'ai vu. Ah ouais? C'est vrai qu'il y a eu une explosion, c'était pas clair, mais il me semble que c'est parti d'elle. Et puis, elle avait qu'à pas bavarder, donc il faut montrer l'exemple. Vous savez, une sirène, il faut être rigoureux. Alors, mais si vous n'êtes pas rigoureux dès le premier jour. Anna, ça m'étonnerait qu'elle ait fait ça. Anna, c'est mon amie, ça m'étonnerait quand même qu'elle m'ait fait ça. En plus, c'est si, même si. Anna. Ouais, mais elle t'a lancé un gros marteau dans la nuque, j'ai tout vu. Ouais, t'es sûr que c'est pas toi? C'est même pas bah, vrai, c'est même pas moi. Je sais pas, elle m'a Anna. Je suis sûre que c'est Jessie. À mon avis, elle voulait faire un cassage de nuque. Ouais, bon, on joue à Among Us ou quoi là? Monsieur le professeur, on peut continuer le cours? Oui, bien, continuons. Bon, on va aller dehors pour aller un peu nager, pour apprendre à faire avec vos nageoires, parce que c'est tout un art de savoir nager. Allez, suivez-moi. Oh okay. Non, je vais même pas pouvoir venir avec eux. Va falloir que j'attende la récréation. Oh non, c'est super triste. Bon, je crois qu'ils sont en train de revenir. Alors, les enfants, vous avez trouvé les baleines à bosse belles? Elles étaient pas mal, les baleines à bosse, hein? Ah ouais, des grosses bosses, hein. Magnifique. On dirait que je leur avais mis des patates dans la tête et qu'elles avaient des grosses bosses. Ouais, j'avoue, c'était trop drôle. On dirait un chameau à eau. C'est bien, les enfants. Bon, vous avez le droit à un petit peu... 10 minutes de récré. Allez, vous pouvez aller vous amuser dans la cour. Allez, hop. Moi, j'ai envie de goûter, j'ai la dalle, là. C'était bien, votre excursion? Ouais, c'était trop bien. Je t'assure, t'as le cadeau, c'est même pas moi qui ai tiré avec le marteau. J'ai pas voulu te faire mal. Bah, moi, je veux bien te croire, parce que, justement, j'ai des gros doutes sur Jessie, hein, quand même. Mais moi, tu sais que c'est le fils d'un requin? Ah, le fils d'un requin? Ouais. Oh, moi, j'aime pas les requins, moi, j'aime que les sirènes. Moi aussi. Bon, allez, on va manger un petit bout. Ouais, j'ai mis mon goûter, déjà. Ouais. Mon goûter, il a disparu. Ton goûter, il a disparu, t'as le cadeau? Ouais, mon goûter, il a plus de goûter non plus ici, de ce côté. Moi, j'ai pas mon goûter. Mais j'ai plus de goûter non plus, là. Mais pourquoi vous avez tous pas de goûter? C'est que vous l'avez pas pris. Pourquoi il y a un goûter en plus dans mon casier? Regarde, t'as le cadeau, c'est le tien ou pas? Mon goûter, mais Anna, t'as volé mon goûter? Bah non, t'as le cadeau, j'ai pas volé ton goûter, n'importe quoi. Attends, ça fait beaucoup, là, quand même, Anna. Bah non, regarde, moi, j'ai déjà mon goûter, ça sert à rien que je vole le tien. Ça aurait pas pu être nous, vu que nous on était partis en excursion et qu'elle était toute seule dans l'école. Elle était toute seule dans l'école. Mais j'ai rien Anna. Fait, moi. Anna. Si, petite gourmande là. Ouais, petite gourmande, c'est quoi? Je te parle plus, Anna, je boude. Oh non, t'as le cadeau. Ah, Waris, tu vas pas me bouder, toi? Si, j'ai rejoint t'as le cadeau, moi. Allez, ciao. Celui qui a fait ça, c'est encore Jessie qui a fait ça, j'en suis sûre. Oh non. Oh non, mais j'y crois pas. Ma première journée, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, je vais prendre mon goûter. J'espère que t'as le cadeau, il m'en voudra pas longtemps. Eh bien, les enfants, maintenant, il est l'heure de passer au prochain cours qui va être l'entraînement au lancer de trident. Ah ouais, j'aime trop ça. Oh, j'adore. Allez, tenez, voici un trident chacun. Tiens, Josh. Tiens, Awaris. T'as le cadeau. Un pour toi et un pour toi, Anna. Attention, cette fois-ci. Je ne veux pas faire de bêtises. Hein. Moi, je fais pas de bêtises, moi. Tout à l'heure, tu as quand même fait une grosse bêtise. Hein. Tu as failli blesser tes petits camarades, donc un petit peu d'attention, d'accord? C'était même pas moi en plus. Moi, Anna, je change d'avis. Je pense que c'était toi. Parce que déjà que tu as volé mon goûter, en plus, tu m'as balancé ça dans la tête. Moi, je suis sûr que c'était toi, en fait. Non, c'était même pas moi. Moi, je m'en fiche, je vais faire le cours. Bon, Anna, tu reviens. On réglera cette histoire de goûter volé plus tard. En attendant, on va faire la leçon comme il était prévu, d'accord? Un peu de rigueur, un peu de tenue. Ouais, pas de soucis. Alors, de préférence, on va lancer évidemment sur les cibles qui sont juste ici. On va pas démêler l'école, évidemment. Le but, c'est de viser la cible au milieu avec le trident, d'accord? D'accord. Ouais, alors on vise laquelle? Bande de bébêtes, c'est dedans, ici, les tridents. C'est celui-là qu'on peut lancer. Mais oui, ils sont ici, les tridents. Ça, c'était juste une démo. Bon, alors, moi, je vise le bleu. Hop là, moi, je vise le rose. Le cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Vu, Anna. T'as tiré sur le cadeau. Mais j'ai même pas lancé. T'en as pris plusieurs. Mais j'ai des toujours tridents dans la main. J'ai même pas lancé encore. Arrêtez de dire des bêtises. Regarde dans le coffre, il en reste qu'un seul. Mais qui c'est qui m'a poussé? Monsieur le professeur, il a essayé de vous lancer un trident, hein, Narnia, là. Non, mais qu'est-ce qui se passe derrière, là? Mais il y a encore le bazar? Non, mais vous êtes vraiment incorrigible. C'est qui a fait ça encore? C'est Narnia. J'ai rien fait.
Non, hop, mais qu'est-ce là, que tu fais tel cadeau? Je tire dans la cible orange. Hop là. Moi, je tire dans la cible rouge. Bon, je vais en lancer un. Il y en a même plus. J'ai même pas pu le faire à cause de vous. Mais attends, Anna, si t'as essayé de tuer le professeur, j'ai tout vu. Non, tiens, c'est Anna, même pas vrai. Tiens, Anna, tiens, je te donne celui-là. Merci, t'as le cadeau. Dans le coffre. Regarde dans le coffre. Merci, c'est gentil. Bon, cette fois-ci, je réessaie et personne me pousse. Ouais, t'inquiète pas. Alors, j'ai réussi dans le mille. Ah, elle m'a tiré dessus. N'importe quoi, Warri, j'ai tiré dans le mille. Pourquoi vous vous mettez tous contre moi aujourd'hui? C'est vraiment pas cool. Pour rien, pour rien. Enfin, moi, je suis pas contre toi, c'est surtout toi qui es contre moi, on dirait. Non, contre c'est nous, même pas vrai, je suis contre personne. Ouais. Bon, vous avez l'air un peu agité, là, ce cours de trident vous a pas du tout calmé, donc on va faire de nouveau une pause, hein, pour que vous puissiez vous régler vos petits comptes, et après, on passera au cours suivant, d'accord? D'accord, ok, bon. Ouais. Okay. Eh bien, si tu veux, je te prête mon goûter vu qu'elle te l'a volé. Vas-y, vas-y, Jessie, vas-y, vas-y, moi je suis chaud. Vas-y, viens, mon casier. Vas-y, 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 parce que là, ouais, mais c'est pas cool. Jessie, elle est méchante en plus. Jessie, t'es chaud, on va faire du foot ou un truc comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Hein. Alors attends, tiens. Jessie, tu t'approches pas de ton cadeau, tu vas lui faire du mal. Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux battre quoi? Attends, vas-y, attends. Si, si, vas-y, tu me pousses, t'as plus quoi? Jessie, qu'est-ce que j'entends? Oh, les enfants, stop, stop, stop. C'est qui a provoqué? Une baston. Bizarrement, je retrouve encore les deux énergumènes dans les mêmes conflits. Eh ben, vous savez quoi? Ça va chauffer pour vous. Allez, Jessie et Anna, en retenue avec moi. Oh non, La retenue. C'est même pas drôle, j'ai rien fait. Allez, en retenue. En retenue. Bouh. Je vous avoue que pour un premier jour, vous faites assez fort. Oh, et vous, vous en rajoutez pas, hein. Ça suffit avec les tridents. Allez, zou à Warriz. Allez voir dans la cour si j'y suis. Ah ouais, vous y êtes? Attendez, je vais aller voir. Moi aussi, je vais aller voir. Vous êtes là dans la cour, monsieur le prof? Ben non, il y a personne. Il y a quelqu'un dans la cour? Non, il y a personne. Bon, et ben, vu que vous avez pas envie de réfléchir, vous avez envie d'être bête, et ben, je vais être bête aussi. Donc, ce qu'on va faire pour la retenue, c'est que je vais juste vous surveiller. Vous allez rien faire. Vous allez regarder, je sais pas, vous allez compter le nombre de mouches qu'il y a au plafond. Et puis, c'est tout. Je vous ai à l'œil, compris? Si vous bougez d'un seul... Il s'est endormi, là? Arrête, t'as le cadeau, casse-toi. Bah, vous êtes en heure de colle et pas moi. Va-t'en, toi, là. C'est même pas drôle. Ils sont retenus. Ils sont retenus. Allez, c'est ils... bon, c'est bon, on a compris. Nous, on va s'amuser. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, quoi, tu veux quoi, Jessie? Viens, on devient méchant à deux, là, parce que j'avoue, depuis tout à l'heure, je suis méchant avec toi et tout, vas-y, tous les coups, c'était moi, je vais avouer, mais viens, on devient méchant tous les deux, là, pour se venger des deux, là. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas cool aujourd'hui avec moi, alors que moi, je fais rien. Ils ont vraiment pas confiance en moi. Ouais, j'ai vu ça, hein. De toute façon, c'est des faux amis, eux, ça se voit. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est des faux amis. Bah, tu sais quoi, j'accepte, je vais devenir méchante avec toi. Ah, merci, parce que je vais avoir besoin de ton aide, parce que, tu vois, moi, mon objectif, c'est de saccager le monde des sirènes. Vu que mon père, c'est un requin, je veux suivre sa voie. Ah bon? Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. C'est mon monde aussi, quand même. Mais non, t'inquiète pas. Si tu m'aides, t'inquiète pas, il ne se passera rien pour toi. Et de toute façon, je vais avoir besoin de toi pour le prochain cours. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas juste devoir faire diversion le temps que j'aille tuer quelques poissons et à la limite voler quelques perles de sirènes. Voler les perles de sirènes? Mais c'est super important, les perles de sirènes. C'est bien pour ça que je vais les voler. D'accord, mais on partage, hein. Ouais, t'inquiète. Ok, bon, c'est cool. Je crois qu'il s'est rendormi. Monsieur. Mais Jessie. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faut qu'on passe au cours suivant. Ça fait déjà une heure qu'on est là. Hein. Ah bon? Ouais. Et que ça vous sert de le saut, hein. Bon, je crois que c'est par là-bas le prochain cours, si j'ai bien vu sur le planning. Ce serait bien que Talcado et Awaris y viennent quand même. Ils sont toujours dans la cour. Awaris, tu viens, on y va là. Ouais, vas-y, j'arrive. Vas-y.
Alors, bien. Et ils sont où les autres? On est là, on est là, on est au prochain cours. Ah, vous êtes là? On n'est pas en retard? Non, c'est bon, vous n'êtes pas en retard. C'est on a cours dû, de on quoi a dû réveiller le prof. Eh, hey, mais. Aïe, mais il fait quoi lui là? T'as vu, c'est mais pas moi. Bon, alors, c'est quoi le cours là? Je crois qu'il faut qu'on nourrisse des poissons et tout, ce que j'ai compris. Nager entre les algues, s'entraîner. Ah, ok, ça peut être. Exactement, mais pour une fois, vous avez fait vos devoirs, Anna. Eh ben, dites donc, je pensais pas que. Après un comportement si désagréable, vous serez exemplaire. Eh ben, c'est tout à fait ça. Mais je suis quelqu'un d'exemplaire à la base, hein. Eh, t'as le cadeau à Waris, venez voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Venez voir, venez voir, venez voir. Eh, j'espère que tu vas pas encore me voler mon goûter, me frapper, me balancer mais un trait dans la n'importe quoi, conche, n'importe quoi. Elle t'a frappé. Non, c'est à Waris. Ah, je le sais, j'ai vu. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi. Tout à l'heure, j'étais en retenue avec Jessie. Et son but, en fait, c'est de saccager le monde des sirènes. Et c'est pas du tout de devenir. Attendez, il passe là. C'est pas du tout de devenir un élève ici, c'est un requin en réalité. Ah ouais? Ouais, il va voler les perles. Il m'a dit qu'il allait voler les perles. Voler les perles? Mais pourquoi faire? Bah parce que ça vaut, tu sais, ça vaut super cher et que c'est super rare et qu'il y a que ici qu'il y en a. Il veut les voler. Ok, c'est bizarre ça. Mais il va en faire quoi? Je crois que. Il est en train de partir avec! Monsieur le professeur, venez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, monsieur les enfants? Attends. Jessie, il a volé les perles. Quoi? Mais attends, elles sont où? Il est parti avec. Où est le coffre? Par là. Allons-y. Où il est parti? Allons-y, monsieur. Allons-y, vite. Oh, lui. Je vais l'attraper, celui-là. On part à la chasse aux poissons, les enfants. Allons-y. Je crois que c'est un requin. On part à la chasse aux requins, plutôt. Vite, monsieur. Je crois qu'il est parti par ici. Je vous jure que c'est par là. C'est par là que je l'ai vu partir. J'espère que ton instinct est bon, hein, parce que là, c'est hyper important. Si on nous vole les perles et qu'on n'arrive pas à les retrouver, oh, ça va être la catastrophe. Ça doit être là-dedans. Regardez, il y a un passage qui s'est ouvert. Je vois le pseudo. Regardez, venez. Vite, faites pas de bruit. Je crois que c'est par là, monsieur. Je l'ai vu descendre ici. Bah, je l'ai pas vu, mais je me doute que c'est par là. Et là-dedans, la cachette secrète. Regardez, il est là-bas. Jessie, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait. C'est chez moi. J'ai rien fait, d'accord? Monsieur... Les souterrains, c'est chez toi. Bon, alors que pourtant, ce n'est pas à toi, c'est public. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? En fait, je peux tout vous expliquer, d'accord? Vu que je pensais que c'était la fin des cours et tout, bah, je suis reparti. C'est pas assez clair. Où sont les perles? Je les ai trouvées! Elles sont ici! Toi, tu bouges pas d'ici. Vous les avez trouvées à demain? Je les ai. Attendez, je sors avec le coffre. J'arrive. Hop, j'arrive. Regardez, je les ai. Vous êtes où, monsieur? Je suis là, je suis derrière toi. Je les ai. C'est lui qui les a volés. Ah, fais voir le coffre. Et c'est bon, ils sont à l'intérieur? Ah oui, les perles, enfin. Heureusement. Bon, on va régler ton compte, petit gars. Oh, non, il est là, monsieur, il se cache ici. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. À l'aide! Attrapez-le! Non, tu ne vas pas t'enfuir. Reviens là. Aïe, c'est bon, j'arrête. Arrêtez, c'est bon. Je crois qu'il se rend, monsieur, il se rend. Oui, c'est bon, je ne ferai plus de bêtises, monsieur. Faut que tu restes dans le monde des requins, tu viens plus dans le monde des sirènes. En plus, t'as gâché ma première journée de cours, c'est tout toi qui as fait les choses pas bien, c'est même pas moi. Non, c'était toi. De toute façon, ça, on pourra pas le retirer, on sait tous que c'est toi. Jessie, en tant que directeur de l'école des sirènes, je vous exclus définitivement de notre école. Vous pouvez retourner chez vous, vous n'avez plus rien à faire chez nous. Bon, bah, je retourne en bas. Merci de m'avoir fait confiance, monsieur. Mais c'est normal, hein. Mais je sais surtout, moi, je tenais à m'excuser de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Je vous ai puni pour rien alors que c'était sa faute. Hein. Je n'ai pas été vigilant. Je tiendrai compte de tout ce qui s'est passé dans la prochaine évaluation, d'accord? Vous avez été très, très courageuse et vous n'avez pas perdu espoir. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Bon, faut que j'aille retrouver Talcado. Faut que je lui dise toute la vérité. Très bien. Et bien, moi, je vous dis bonne soirée. J'attends quelqu'un. Il y a quelqu'un. Hey, Talcado, t'es où? Là, ici, Anna. Oh, vous êtes Talcado, c'est bon, on a arrêté Jessie, c'était lui. C'était lui, mais je vous ai perdu, là. Ouais, je sais, bah c'est bon, on a récupéré les perles, le prof est reparti à l'école. J'ai perdu à Waris aussi, je sais pas où il est. Bon, je suis sûre qu'il s'aurait été faire une crotte quelque part. Ah ouais, c'est super bizarre ce que tu as dit. En tout cas, je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'est arrivé, Talcado, je te jure que c'était pas moi. C'est pas grave, Anna, t'inquiète pas. Super. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a les noms de toutes les personnes qui s'abonnent actuellement, qui s'affichent à l'écran, donc si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous. C'était Talcado à Waris et Anna. Il y a deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. Bisous!